Voilà, bien. Dans ce nouvel épisode de Need for Speed Heat, donc on va tester parce que dans le dernier épisode, on avait attendez. Déjà, vous voyez, je suis level 30 en réputation, alors qu'avant j'étais niveau 25, je crois, et que je devais faire le niveau 27. Et en fait, c'est parce qu'à un moment j'étais bien lancé. Et j'ai gagné, je crois, 180 000, donc ça m'a bien aidé. Donc maintenant, je suis niveau 30. Faut voir, hein. Putain, j'aurais pu avoir la McLaren F1. Mais là, on va faire ça, parce que... vu qu'on avait que modifié la Lamborghini au dernier épisode et que je ne l'avais pas montré... Bah voilà, je crois que je ne l'avais pas montré. Hein. Non, non, non. Voilà. Enfin si, un peu, mais pas beaucoup. Attendez, je vais juste faire ça. Non, je crois que c'est... Ouais, c'est dans jouer, paramètres. On va un peu baisser le son principal. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Attendez. Ah non, non, non. J'allais dire, on va faire le flamant rose vu que je l'ai pas fait, mais non. Je me rappelle que j'avais pas le trouvé. Donc, voilà. De base, je voulais vous le faire avant ce live, mais j'ai pas eu le temps. Ma connexion est buggée et tout, donc. Et aussi, je suis beaucoup sur Pokémon Units en ce moment, donc c'est un nouveau jeu Pokémon. Assez intéressant. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de ton aide. Et moi, j'ai pas besoin d'emmerde. Tous les flics de la ville te recherchent, figure-toi. Ouais, ça c'est parce qu'on a des preuves pour les faire tomber. On a un ordinateur qui contient de quoi envoyer Mercer au placard pour un bout de temps. Sauf que c'est protégé par un mot de passe. D'accord, je vois. Attends. Regarde, je viens de t'envoyer quelque chose. Pose ton téléphone à côté de l'ordinateur. En principe, il devrait le craquer en quelques minutes. Waouh ! Merci. L'important, c'est de tenir bon, ok ? Si vous pouviez faire plonger ces flics, c'est sûr, ça nous filerait un bon coup de main. Maintenant, tirez-vous. Et pourquoi sa caisse, elle est pétée ? Du nouveau ? Je t'envoie un logiciel capable de craquer cet ordinateur. Pose ton téléphone à côté de la bête, et il devrait l'ouvrir automatiquement. La bête. Ok, compris. Ok. Je suis en route. Donc, je serai bientôt là. Je te mets sur HP. Pourquoi je sens qu'il va y avoir une merde, genre... regarde, le truc, c'est à l'opposé, tu peux pas te TP. 100%, il y aura une embrouille sur la route. Truc. On dirait qu'il sort de veille. On y est. Plus besoin de mot de passe. Je vois un tas de dossiers. Ouais. T'es un génie. Pas vraiment. Je connais un génie plutôt. Bon, on n'a plus qu'à trouver les bons fichiers et filer cet ordi à la presse en tant que preuve. Les journalistes vont juste halluciner. Et si on... Apparemment, un programme est en cours d'exécution. Police, hardware, tracker. Un programme à toi? Je sais pas. Je crois pas. À toutes les unités. Voilà. Nous avons localisé les suspects de l'agression du lieutenant Mercer. Vous entendez? Attends, Cloudbank Nord. Ah, Cloudbank. Ils suivent l'ordi à la trace. On bouge! Laisse-le ici! Non, changement de plan. On emmène l'ordi et on s'arrange pour envoyer les fichiers à la presse par email. Retrouve-nous au vieux centre commercial. Ah bah voilà, et... Ah bah ça va, c'est à la moitié. Mais je savais qu'il allait y avoir une armée sur le temps. Et quand il... Bien sûr, centrale. Rejoins la poursuite. Ouais, quand il a dit un véhicule, j'ai cru que c'était moi. C'est vous ? Je croyais que votre unité ne sortait que la nuit. Je vais faire 12 heures supplémentaires juste pour coincer ces saletés. Waouh, oula, oula. Ils nous ont trouvés. Tiens bon. Regarde dans le dossier d'occupation.
diplomatique, ok? Ils essayent de nous tuer! T'attendais voilà. du fair play de la part des potes de Mercer? Je vais essayer de tenir, mais viens vite au centre commercial. C'est bon, c'est bon, ouais. Chaud devant! Okay, ah, elle est là. J'essaie d'écrire un truc, là. Arrange-toi pour empêcher ces flics de nous envoyer dans le décor. En charge. Lucas, ça avance? J'ai trouvé l'adresse mail de quelques journalistes. Et... il me reste à trouver des fichiers compromettants pour Mercer. Elle est pas mal, hein. On se dépêche! Je vais peut-être la personnaliser comme ça, la Porsche. Parce que j'hésite à la personnaliser pas entièrement et entièrement. Oh, oh. Je vais faire les deux, je crois. Les bordereaux de la fourrière. Voiture, date, IMAT, identité, PV. Mais devinez quoi? Le nom de Mercer est partout. Envoie! Je déplace tout le dossier. Direction de l'Ouest. On approche Blackwood 8. Fais-nous gagner du temps. La voiture tient le coup. Oui, mais... ah, parle-moi, Lucas. Envoie en cours. Ça, regarde la route. Houston, en direction de l'ouest. En approche de Fort Alahad. Les flics nous font pas mal. Pas encore. Bah, c'est normal, ils sont collés à moi. Non. Voilà. Oula, oula, oula. Ouais, c'est une autre voiture. Les feux arrière et sont pas les mêmes. Cette voiture est construite pour durer. Elle encaisse bien les chocs. Le signal est faible, ok? Compris. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, j'ai un truc pour amortir les coups. Par contre, faut un peu se manier avec la Porsche. 99%. Bon, ça va. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, oula. Hey, fais gaffe à la Porsche. Lucas. Toujours 99%. C'est qu'ils font pas semblant. Attends, parce que lui... c'est pas Forceur là. On va bien. Il faudrait qu'il tape plus fort. Hé, hey, message envoyé. On a réussi. Maintenant jette l'ordi pour pas qu'il nous suive. Ah voilà. 42-21. Oh ça. Ah non, il va se passer une merde, je crois. Ah non. Maintenant à la maison. Oh. Ça serait trop bien qu'il y ait des motos. Oula. Oui, mais elle, en fait, je crois qu'elle est gentille mais méchante. Enfin, elle fait partie des méchantes, mais ouais, Anaïs, vous m'avez compris. Ce soir, l'honneur bafoué de l'uniforme. Alors qu'un policier haut gradé est en fuite, le lieutenant Frank Mercer, chef de la fameuse unité spéciale anti-délinquance routière, a disparu après avoir été suspendu suite à des accusations de corruption. Ces mesures faisaient suite à la découverte de documents confidentiels envoyés aux journalistes de WFFL. La police refuse de commenter ces informations, mais nos journalistes supposent qu'il serait question d'extorsion et de vol organisé dans le milieu de la course clandestine que Mercer était censé démanteler. Dans un communiqué, elle déclare « Le lieutenant Mercer sait qu'il est suspendu de ses fonctions et nous lui demandons de se rendre afin d'aider les enquêteurs. » Dans le reste de l'actualité... ah, j'ai... ah, c'est peut-être moi. Désolé. Si de la mission principale s'est arrêtée... Mercer est toujours en liberté, à ce qu'on dit. Ah bah non. Fais bien gaffe à toi, ok? Il peut être n'importe où. 100%, il va nous rentrer dedans et tout. Non, mais en vrai... déjà là, parce que... regardez. En fait, j'ai... commencé à...
personnaliser mon truc, mais je crois que le DR, je vais le changer. Regardez, j'ai mis ça, mais je vais le changer. Et une version pas tunée. Un peu tuné, genre bah comme la voiture de la Porsche de Lucas, enfin Dex l'a apporté à Lucas, mais voilà. La voiture qu'on a dû protéger. Et bah ma version à moi, mais je crois que je vais la mettre en classique, la version à moi. Parce que je la trouve hyper stylée en classique. Hop. En fait, sur la Lamborghini Huracan, j'ai pas eu du mal à la personnaliser parce que je la trouvais belle personnalisée, alors que la, je sais, par exemple, elle aussi, tu vois, et celle-là aussi, je l'aime bien personnalisée, alors que celle-là, j'ai vraiment du mal à personnaliser. C'est, je vais garder nature et personnaliser. Voilà, donc 100%, on va sortir du garage, il va nous mettre un méga guet-apens, et voilà. Mais donc j'arrive pas. Ok, donc c'est le chef de la police qui est en liberté. Et Shaun aussi alors, non? Ah, il y a des nouvelles missions. Déjà une nouvelle mission de Dex. C'est bizarre ça. Mission de pilotage. Ouais, c'est des tests. Ça, de toute façon, les tests, on les fera une prochaine fois. Hein. Ouais. On le fera une prochaine fois, ça. Nouveau mission de campagne. Infraction. De toute façon, là, je veux faire les missions de campagne. Les voitures, du moins. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai plus joué aux jeux. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis les petites flammes rouges. Je sais que t'as d'autres chats à fouetter en ce moment, mais si tu veux passer à la vitesse supérieure, je teste des circuits pour le showdown de l'an prochain. Retrouve-moi dans le centre-ville et je t'expliquerai. J'espère t'y voir. Bon, après là, ça m'entraîne. Les courses comme ça m'entraîne vraiment la nuit. Parce que la nuit, il y a beaucoup plus de véhicules. Aïe. Non, c'est pas qu'il y en a beaucoup plus, tu vois. C'est juste qu'il y en a... Ok, je continue par là, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le chemin a continué, ouais. Mais bon. Après, on va arrêter de faire notre con. On va plutôt... aller ici, station-service, flamant rose. Et puis après... on va aller là. Parce que comme ça, notre voiture sera déjà réparée. Parce qu'à la nuit, on peut la réparer que 3 fois. Et j'ai mon kit de réparation. Mais ça, voilà. On va bien voir. Oula. Moi, je fais un petit bruit pour rigoler. Et je vois la voiture qui bombarde. Donc déjà, hop, ah. Voilà. Hop, et ça tombe bien, le flamant rose est juste à un côté. Il est où? Petit flamant rose. Je crois pas qu'il soit là, mais ouais. Je vais quand même tester. Hein. Ça c'est... Attends. Ah, il est... Bah oui, il est là, mec. Sans pour. Attends. Tu vas me dire qu'ils n'ont pas mis là. Oh non, mais... Je fais un endroit hyper compliqué. Ils auraient pu mettre 1000 fois là. C'est 1000 fois possible avec une bonne voiture. Et non, ils l'ont mis là. Oh. Ça me perturbe. Ah bah, ok, c'était pile poil un truc, je savais pas. Bon, on va quand même passer dedans comme ça notre voiture. Même si vous entendez pas le tutut, tu vois. Parce que la voiture est réparée, ça répare les lignes. Genre quand vous frottez un mur, ça les répare.
Mais fais pas le bruit parce que c'est pas une réparation vivicule, tu vois. Oh. C'était chaud. On a dû semer quelques flics. Ça va? Zéro flic. C'est parti. Les camions qu'on cherchait? On en a repéré un en direction des quais. À tous les coups, c'est Mercer qui sort les voitures de la ville. Oh. Alors, je bombarde face à lui, hein. On peut pas appeler la police. Mercer a des complices partout. Il doit bien rester quelques flics honnêtes dans cette ville. Après ce qu'on a vu, à mon avis, ils sont pas nombreux. Du moment qu'il en reste. Le truc, c'est de réussir à distinguer les bons des mauvais. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de tous les attirer au fort. Tu rigoles? Tu veux entrer dans la légende, non? Ok, la star. On fait ça. Je vais passer le message au crew, à la Ligue, tout le monde. Où qu'ils soient, qu'ils sèment la pagaille et qu'ils attirent un maximum de flics à Port Murphy. On n'est pas que deux dans le crew? On met le cap sur Eden Shores. Ouais, mais plusieurs. Nous aussi, il faut qu'on remue la merde. Ah, mais. Malambo! Bon, après, je dis ça à lui, c'est une. Les amis, enfin, elle, c'est une Porsche. Le moment est venu pour moi de reprendre le volant. Je reste oh. pas si tu conduis. Moi aussi, je t'aime. T'es tout rouillé, mon frère. Et la mémoire musculaire, alors? Tes muscles l'ont perdu, non? Hé, hey, Anna peut venir avec moi. Cool. C'est la meilleure nouvelle de la soirée. Et mais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais sa Porsche est bon. Ouais, après, c'est parce que moi, je suis à 350 de puissance. Hein. Tourne à droite. On y est. Oh. Ah, il y a ceux du... de l'ancienne course. Ciao, ciao et... Ciao, ciao, je crois. Je sais plus. Et l'autre. Ah. Hey, on fait la course. Plus loin, à droite. Si on veut leur attention, autant ne pas traîner. Ouais, on va faire en sorte. Ouais, j'aime. C'est une course, je vais pas passer 10 000 ans. Allons, voilà, et au... Et au moins, là, c'est le véhicule qui bombe comparé à l'autre, là. Doudou, mon petit. Quelqu'un me confirme le groupe de véhicules à grande vitesse repéré à Eden Shores. Écoutez ça. Merde. Voilà, là, je suis plus perturbé par le... Alerte 3, tu vois. Ils arrivent. Vu que... Okay, j'ai déjà c'est fait pas ça. Impossible qu'on s'amuse. Connards font la course devant poste de police. Approche en cours. Contrôlez la route. C'est bon, on les tient. Attirons ces guignols à l'endroit prévu. Si un seul de ces flics raye ma voiture, je colle un procès à la ville. Ah ouais, ça... Non mais, ciao ciao là, enfin ciao ciao, c'est... Elle est chiante, hein. Oh si, y'en a un qui fait un procès, hein. S'il y en a un qui fait une rayure. Il vient de dépasser. Bon, après ça va aussi. Ah, mais elle est avec moi en fait. Ah, et c'est Lucas dans la Porsche. Oh. J'en connais qui doivent plus toucher terre là. Hé, hey, Manta, je voulais te demander, c'était comment la tôle? Ça fait un bail que j'y suis pas allé. Et je prévois pas d'y retourner. Vraiment? Vraiment, je suis désolé. T'es pardonné. Pour l'instant. Voilà. Donc j'arrive à peu près à gérer. Je te à peu pas près. Occupé hein. La tête longtemps. Hey, je pensais que ton ami flic nous épargnerait les barrages. Ça m'étonnerait qu'elle ait apprécié que je refuse de lui filer l'ordinateur. Mais hey, on lui a déjà rendu, non? Ouais, c'est là où il s'était fait arrêter, non? Sur un pont cassé comme ça. Enfin, en réparation, c'est pas cassé. Ton niveau est meilleur que dans mes souvenirs. Après, on a fait la course il y a pas longtemps. C'était. Bah, l'avant-dernière mission. Ah, ok. Ah. Plan sur la fusée. Ha! Je t'aime bien, Rivera. Espérons que ce machin décolle pas. Le DRT 5. J'ai... Ah! Aïe. Je vais pas dire que j'ai déjà connu mieux parce que j'ai pas... J'ai pas fait... truc 6, tu vois, mais... Oula. Les suspects quittent la zone de lancement. Sortie ouest.
Ah. Et en plus, et on est en pleine course amicale, tu vois, il fait lamentable. Ah, je vois. On aime conduire. Et plutôt bien. Anna, s'ils envoient des renforts, on n'y arrivera pas. 10, on est en plein. 13. Oh. Je suis mieux chaussée que toi. Je suis en train de mourir, elle dit ça. Elle a pas honte. Genre vraiment. T'as vu combien de flics on a derrière nous? C'est dingue. Ça va faire mal. Pardon. C'est une blague. J'ai le kit de réparation. C'est une grosse blague, j'avais le kit de réparation. Genre ça marche pas. Si on veut leur attention, autant ne pas traîner. Et ma voiture elle est pétée. En fait la voiture elle est hyper belle en blanche, mais c'est ça le gros défaut. Mais toi, Alley là, tu fais partie du truc, mais. Doudou, mon petit. Quelqu'un me confirme le groupe de véhicules à grande vitesse. Ah, ok, j'ai les fenêtres. Merde, reçu, j'envoie des unités. Vous entendez ça? Ils arrivent. Ok, Rivera, c'est pas impossible qu'on s'amuse. Ces connards font la course devant le poste de police. Approche en cours. Coupons-lui la route. Bon. C'est bon, on les tient. Je suis dégoûté à 500 mètres de réussir la mission. Si un seul de ces flics raye ma voiture, je colle un procès à la ville. Ça va les calmer. Attendez. Ah, je suis chiant à faire ça. Ah, on a dépassé les 500 de gold. Enfin, de cash. Ah, je suis chiant avec ça, mais je suis chiant avec ça. J'ai bien fait de t'accompagner. Voilà, déjà... Là, les virages, on les prend un peu mieux. Là, on va prendre quand même ça. Comme ça, si je rentre dans une voiture, c'est moi en partant. Plus toucher d'air, là. Hey, Manta, je voulais te demander, c'était comment la tôle? Ça fait un bail que j'y suis pas allé. Et je prévois pas d'y retourner. Vraiment? Vraiment, je suis désolé. T'es pardonné. Pour l'instant. Allez, essaye d'aller plus vite. Hé, hey, je pensais que ton ami flic nous épargnerait les barrages. Ça m'étonnerait qu'elle ait apprécié que je refuse de lui filer l'ordinateur. Mais hé, hey, on lui a déjà rendu, non? Ok, c'est après. Je croyais que la rampe était ma fin. Simple ici que devant, c'est clair. Ah non. Voilà, c'était ce virage là que j'ai mal négocié. Je suppose que rouler à tes côtés me donne l'air encore plus classe. Qui veut un gros plan sur la fusée? Ha! Je t'aime bien, Rivera! Espérons que ce machin décolle pas! Fin de la visite! Il faut partir! Les suspects quittent la zone de lancement. Sortie ouest. Ah ouais, vous voilà. Semblez encore! Là, les virages sont bien... Bon, évasion. Anna, s'ils envoient des renforts, on n'y arrivera pas. Presque. Il ferait bien d'essayer de coincer de vrais criminels. Si tu vises la gloire, va la chercher. Voilà, allez, sans prendre de dégâts en plus, hein. Incroyable. Bon, il a pris le large.
Attends, ok, il n'y a pas de voiture de police normalement. Ok. Elles sont toutes là-bas. Ouais, je peux aller dans le village du coin. Centrale, ils nous ont semé Aïe. près des docks, mais on a trouvé autre chose. Oubliez toute la poursuite, c'est du lourd. Déroutez toutes les unités sur ma position. Reçu. Vous avez plutôt intérêt à ce que les voitures y soient encore. Collons tous le pied au plancher et on ne sera pas déçus. Attends, ils sont toujours. Ouais, parce que j'ai un temps, mais on est bien d'accord qu'ils sont plus dans la course, hein. Enfin, ils ont Je des bascule pops. sur un canal sécurisé. Ils savent pour la livraison. Ces enfoirés nous attirent ici depuis le début. Merde. On arrête tout. Je crois qu'on a assez de flics dans cette poursuite. C'est le moment de les mener aux voitures. On arrive à l'endroit où les camions ont été repérés. On y est. Faites gaffe à vous. Faites gaffe à vous, on est tous seuls. Je suis pris un peu une voix bizarre, mais voilà. Imitateur, hein. Oh. C'est bon, les voitures n'iront nulle part. Brum brum. On a réussi. Oh. On est tombé sur quoi, au juste? Oh, C'est pas la possible. Ferrari F40, yes. On est tombé sur un agent qui essayait de sortir de l'eau. Il dit que le lieutenant Mercer est toujours là-bas. Où ça? Oh, il est là. Ah bah on est à la fin du jeu hein, c'est l'aventure de fin du jeu celle-là. Ouais bah c'est pas avec ça que les flics vont le rattraper. Peut-être pas, mais nous oui. Allez! C'est celle du commandant Mercer. Parce que non, on peut la jouer celle-là. Oh oui. Ces deux petites merdes, j'aurais dû me douter que c'était vous. Vous pouvez pas vous laisser partir sans un pot de départ. Je vous préviens, arrêtez ça. Je pense pas, ah. Lieutenant. On a les voitures, et maintenant on vient pour. Oh oui. Vous pensez pouvoir l'arrêter? Bam. Jean Torres. Ah. Elle vous plaît pas? Il faut le dégommer. Il est dangereux. Si vous y parvenez, ne le confrontez pas. Je m'en occuperai. On peut lui faire confiance? Tu connais d'autres flics qui veulent le voir plonger? Donc voilà. Après, je sais pas si l'objectif c'est de détruire sa bagnole. Ah bah si, vous ah bah si. Chaque seconde de ce qui va vous arriver. Il va nous arriver quoi? Par contre, cette BM là est grave stylée. Hein. Bon, après, je vais peut-être pas lâcher ma Lambo, tu vois. Mais elle est incroyable. Je sais. Mais, fais gaffe. Fais gaffe, bien mais c'est moi qui roule. Lucas, je croyais que t'étais dans mon camp. Le camp des brothers. Bon, enfin, je suis fils unique, mais t'inquiète. C'est mon brother à moi, tu vois. Racasse-moi cette bagnole bien comme il faut. Vous m'arrêtez et après, cette ville m'appartient. C'est le frère que j'ai jamais eu. Attends, il est où? Ok, il m'a brain. Oui, donc j'ai bien amoché ma voiture, mais je me suis douté que ça allait lui faire masse de dégâts. Mais je trouve ça un peu chiant que, genre, les objectifs, c'est pas les puissants. Ces voitures vont retrouver leur propriétaire. Non, c'est pas les pourcents de. On vient d'assister à un truc tout à fait digne de la Ligue. Tu crois pas? Il lui faut une voiture à elle et une bonne. Ensuite seulement, on pourra les accueillir. Au top, les amis. On se rappelle, ok? Non! Il a pas l'air content. Oula. Oh, il a. Comment ça, il a. Comment ça? Comment ça, il a boost comme ça d'un coup? Oula. Il a une roue qui prend du jeu.
Ok, donc la police à la radio est avec moi. Elle est pas sur la Lamborghini Huracan ou Huracan, comme vous voulez. Elle est sur la BM. Parce que oui, la voiture là, c'est une BM. Oh, oh, c'était magnifique. Eh oui, Mercer. Je me doutais un peu que c'était lui. Parce qu'à part lui et Sean, c'était eux les vrais méchants. Allez. Et je connaissais personne avec le nom de Mercer, donc... Merde. Parfait. Faut que je me tire rapidement. Toi ? Dorès. Eva. Si je plonge, ça pourrait mal tourner. Pour tous les deux. C'est vrai. Ça finit comme ça ? Me dis pas ça. Sans pitié, trop obtenu. Terminer le chapitre 4. Terminé le chapitre 4, je peux terminer les... L'ancien chef de l'unité spéciale anti-délinquance routière, Frank Mercer. Dans un communiqué, elle indique que l'ancien policier serait mort, bien que son corps n'ait pas encore été retrouvé. Cela fait déjà un peu plus d'une semaine que le lieutenant déchu a voulu échapper à ses anciens collègues avec une cargaison de voitures volées. Il y serait parvenu si un célèbre pilote de course urbaine, dont on ne connaît pas encore l'identité, n'avait pas aidé à récupérer ses voitures. C'est moi. D'après une enquête préliminaire, elles auraient été délibérément mises en fourrière illégalement au cours des derniers mois. Suite au scandale, l'unité spéciale a tenu à réagir pour calmer l'inquiétude de la population en nommant un nouveau responsable et en faisant cette déclaration. Moi, ah non. C'est elle. Bon, après ça va, c'est Torres. Frank Mercer avait détourné les moyens de cette unité pour servir ses intérêts personnels, mais c'est terminé. Cette unité sera réaffectée à sa fonction première, mettre fin aux courses clandestines. Du temps de Frank Mercer, ses exactions n'auraient jamais cessé. Avec moi, elles cesseront. Ben non, elles ne cesseront pas du coup, parce que moi, comment je me fais la réputation ? Je suis un gamin. Bon, la BM qui sera sûrement pas gratuite, hein, est débloquée là. Ça ? C'est ça que tu me donnes ? Bon. C'est un véhicule fiable. Je conduis pas ça. Vu ce qui est arrivé à tes deux dernières voitures, tu devrais me remercier. Elle est parfaite pour faire ses premiers pas. Lucas, je suis dans la ligue. Si je me pointe avec ça, on va clairement se foutre de moi. Ah. Ok, t'es chez les meilleurs. Et tu seras toujours ma petite hija. Mira, venga, pa' que. Mais tranquille, hein. Allez. La voiture de papa. Je veux la débloquer. Je crois que c'est en la personnalisant. T'es sérieux? T'es dans la ligue. Pointe-toi avec celle-ci et... Ah! Écoute. Excuse. Eh, hey, tu sais, en reprenant les voitures de Mercer, tu t'es fait plein d'amis en ville. C'est nécessaire. Hey, t'auras quand même besoin d'aide. Tu veux dire que tu rejoins notre crew? Je vais revenir sur la piste, ouais. Tu sais, histoire de retrouver un peu mes sensations. Super. On va faire un tour? Allez. Eh, hey, prenez soin l'un de l'autre. Les quatre coins de l'État, ils vont venir vous affronter. Sans compter tous ceux qui veulent juste vous arrêter. Et ils sont nombreux. Bref, si vous cherchez des ennuis... Vous faites pas attraper. Je sais pas c'est quelle marque de voiture. Yama Lamborghini. Merci d'y avoir participé. Raoul est désormais une légende des rues de Palm City. Atteignez
Le niveau de réputation 50. Porter tous vos véhicules au niveau performance maximale et déverrouiller les collecteurs, les défis et les trésors qui vous manquaient. D'accord. La Ligue t'a laissé un cadeau pour te remercier d'avoir récupéré yes, les voitures. Oui. J'ai hâte de revoir un vrai pilote conduire cette beauté. Ah, et en plus, j'avais vu nouveau dans le truc de voiture. Ah, par contre, la BM, ça fait plaisir de l'avoir gratuitement, tu vois. Bon, après, on va. Je vais voir, elle a quoi comme pièce de personnalisation? Attendez. Hein. Ok. Pourquoi ça c'est. Ah, et bah, faut la garder. Ok. Ah, oh, c'est du pro! C'est du pro et origine. Enfin, pro et origine. Moi, je regarde que ces pièces-là. Ça. Ça. Ouais. À peu près tout, mais voilà. Ah ouais. Attendez. Attendez. Certes, on va redonner. Après, on va redonner toutes les pièces à ma Lamborghini. Mais. Attends. C'est quoi ça là? Pourquoi les. Pourquoi? Pourquoi elles ont plus leur. Ok. Je vais voir. Lamborghini. Bon, après, j'ai quand même reçu une nouvelle voiture, donc on va tester la voiture. Et on va remettre après les trucs. Voilà, donc on va être niveau 50. Et vu qu'on a terminé le jeu et que. Attendez, hein. Normalement, le live. Voilà, on peut se permettre. Et je refarmerai après. Hein. C'est pas tant un souci que ça. On peut se permettre d'acheter. Ah, mais c'est les pneus de base de la voiture. On peut se permettre d'acheter. La première voiture que j'ai personnalisée, donc une des dernières. Mais d'abord, je préfère personnaliser cette voiture pour voir un peu sa beauté, hein. Cette voiture. Ok. Déjà, elle est super plus. Oh là là, mais ça. Ça monte tellement le véhicule, alors que ça, c'est que les trucs. Hein. Regarde ça. Ça va augmenter de genre jusqu'à 300 facile. Presque 300. Ben, moi, j'ai été étonné. Mais après, avec les châssis, normalement, c'est 300. Non? Ben, avec les pneus, c'est 300. Pneus. Est-ce qu'il n'y en a pas des. Oui, il y a les pneus. Il y a les pneus super plus. Hein. On va les acheter. Parce qu'en vrai, les pneus super plus, genre, j'en avais pas et c'est hyper utile. Je préfère les pneus classiques, hein, personnellement. Ok, on peut. Ouais, après l'embrayage pour. Ah non. Je préfère attendre niveau 31 de réputation, comme ça j'achète directement les super. Oh. Pardon. Bah là, oui, j'y teste direct. Pas grave, on. Comme j'ai dit, on refermera. Et pourquoi ça, j'achète. J'achète le pro et pas le pro plus et pas le super plus parce que le super plus genre y a pas de enfin regarde quand tu regardes là hop et quand tu regardes celui-là bah y a c'est la même chose et donc je vais regarder ça quand même hop voilà Mais donc, certes, ah, okay, il y en a qu'un seul. Je me suis pas spoil sur la fin de l'histoire, mais je savais vu que Ayoub, il avait fait une vidéo là et ça me semblait être la fin du jeu, même si j'étais pas sûr. Mais je m'étais pas spoil. Hop. Dirait qu'on part à la chasse. Oh, il est énervé pour là. Pour voir à quelle course cette ligue nous donne droit.
Bah attends. Ouais, il y a de nouvelles courses par-ci par-là. Je crois que c'est les 400 plus là, non? Ouais, non. Les 200. Et 200, mais avec un bon cash prize, hein. 200, mais généreux quand même, hein. Ah, ok. C'est une course ligue, non? Il n'est pas marqué? Ok. Donc, on fera les trucs là. Mais je me dis là, vu qu'on a encore le temps, hop, on va la conduire un petit peu cette belle voiture qui est très stylée d'origine. Oh, le moteur est incroyable. Hein. Attends. Oh là là. Je veux juste voir les premières BM. Hein. Et pas des moindres. Je veux juste voir les réglages. Ouh, la vitesse. Vitesse de pointe, elle est meilleure que ma Lamborghini. Hein. Peut-être. Je sais pas si on se garde celle-là. Hein. Mais après, c'est plus pour la garder dans mon garage, hein, la Lamborghini. Parce que je voulais une Lamborghini et en termes de Ferrari, je vais attendre un petit peu, mais je vais acheter. Oula. je vais attendre un peu, mais je vais acheter la F40. Attends, drift. Oui, ça va, les pneus font l'affaire. Bon, après, ça bégaye un peu, mais. Ça se passe, ça se passe. Ok. Et même décélérer avec cette voiture, c'est incroyable. Normalement, on arrive normalement. Je crois qu'on est à côté du circuit. Non. Non, il est encore bien loin du circuit. Hein. Ouais, je crois qu'il est encore bien loin du circuit. Oui, il est encore bien loin. J'ai cru qu'on était arrivé à côté du circuit, mais non, pas du tout. Enfin, un circuit, vous voyez bien. Près de la planque. Aïe. Mais est-ce que cette planque... Ah oui, bah du coup elle est re... Ouais. On va d'abord aller à la station service. Voilà. Pas grave, je suis allé à la station donc... Et je crois que c'est une des meilleures BM du jeu. Enfin, je suis pas sûr, hein. Je crois que là... Ah non, c'est peut-être la meilleure parce que je crois vraiment pas que la i8 est meilleure que celle-là. Hein. Je suis amoureuse. Quelqu'un que je connais? Cette belle quinquagénaire avec une prestance de dingue et un châssis de rêve. Celle... C'est une voiture, c'est ça? Ouais, la Camaro. Ouais. Sérieux? Je pourrais vivre dedans. Je me suis assise à l'arrière et j'ai dormi comme un bébé pendant 2 heures. S'il y avait des toilettes dedans, j'en sortirais jamais. Bon, faudrait que chaque boutique propose un drive. Ok, donc... Attends, on va voir si la... Bah, la Camaro est là. Donc celle-là, c'est la voiture qu'on lui avait proposée, je crois. Ok, en fait... Faut que je vois la Camaro. Ah bah c'est celle-là, la Camaro SS. Est-ce que on se tente ça? 29 000.
29 000. Ou alors pour commencer soft, on se base sur ça. Non, allez. On va quand même faire la... Allez. Vu que c'est un... C'est la fin du jeu et que celle-là, c'est la voiture que je rêvais tant d'avoir. On va personnaliser celle-là. Allez, hop. C'est bon. On achète. Voilà. Merde. Bon, pas grave. Oh là là, je crois que elle a des. Bon, on va quand même la personnaliser et après rouler dedans. Parce que d'origine, certes, elle est bien, mais elle va pas très vite. Hein. Je crois que. Attends. Réglage. Réglage live, ouais, elle va du 180. Oh. Je crois que c'est mon. Actuellement, hein. C'est mon pire véhicule. Oula, oula, oula. Descends-toi le véhicule. On va revenir enfin dans ce garage. Parce que dans l'autre, je ne voyais plus rien sur mes voitures. Ah, enfin. Le niveau s'élève, dis donc. Les bagnoles miteuses, c'est plus pour toi. Ah ouais, elle avait tout d'origine. Bon. On va d'abord... Attends, on va voir les voitures, ouais. Je dois voir directement dans ça. Là, c'est juste pour déjà montrer comment ce sera les vidéos. Tu vois, déjà, hop, ça. Bon, après, je les remettrai hein, par la suite. Là, c'est juste pour vous montrer un peu. Hop, on mettra tout après. Boost. Vas-y, on met ça, pas grave. Hop. Disque. Ah, bah, j'ai des meilleures fins. De toute façon, on va voir. Ah, bah, les pneus classiques sont meilleurs. Enfin, sont une même chose. Après, ça change pas. Hein. Ça, les vitesses, on s'en fout, on peut laisser. Tac, et en vrai, ça, je garde pour ma voiture. Voiture. On va prendre la Camaro. Hop. C'est celle-là, ouais. Il dit là, les voitures miteuses, c'est pas pour toi, mais c'est la voiture de. Truc, tiens. Genre vraiment, j'ai juste envie de voir la puissance maximale de sa de cette voiture. Oh, ok, les chevaux, ils peuvent monter haut. Prends la puissance. En fait, la voiture, rien qu'au démarrage, elle va bombarder, c'est ça le problème. Après, ça, c'est pour justement, hop, les pneus, embrayage. On va voir s'il n'y en a pas de meilleurs. Ah oui, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de me l'acheter, donc voilà, on va garder cet embrayage là. Les vitesses. J'ai clairement pas envie de les acheter. Les trucs qu'on peut pas utiliser sur d'autres voitures, je vais les acheter, mais que sur mes voitures que j'utiliserai tout le temps. Ah bah elle a qu'un moteur, donc ça c'est. J'ai vite réglé. Personnalisation, carrosserie. Donc. Non! Je suis déçu. Y'a pas le moteur. Oh non! Y'a pas le moteur qui ressort.
Bah, je suis choqué déçu, hein. Est-ce que cette voiture on la garde? Ouais, après. C'est clairement ça le mieux. De toute façon. Ouais, j'ai clairement le. J'ai très clairement. Ouais, enfin, j'ai très clairement les rentabilités, ça. Donc, pas grave. Oh, c'est quoi ça? Oh, trop stylé. Après, est-ce qu'on se tente une petite Camaro qui me fait comme ça? Allez, j'ai bien envie pour le fun. Une grosse Camaro énervée. Parce que de base, cette voiture, normalement, elle est énervée, tu vois. Quand tu vois déjà les chevaux qu'elle a. Là, l'argent, c'est pas un problème. Hein. Est-ce que... Ouais, c'est beaucoup plus beau. Bon, après, c'est des détails inutiles, tu vois, mais... Hop. Ouh, c'est intéressant, ça. Ah bah... Oh, je sais pas très honnêtement. Soit je prends ça... Merde, mon perso. Soit je prends ça... Ou alors je prends ça... Oh, allez, ça va bien vénère, ça. Go acheter ça. Donc, la partie avant est faite... Ah, bah les feux, on peut pas les changer. Attends, je vais juste voir les feux à quoi ça rend. Ah, ok, bah c'est... Ok, je sais pas pourquoi on peut pas les changer, mais d'accord. En fait, ah... Je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que j'ai envie d'acheter ceux-là, tu vois. Allez. Bam. Ça, on va voir. Hop. Allez, hop. Voilà. Pour bien commencer, on prend la Camaro SS pour changer. Et est-ce qu'on peut enfin changer? Non. J'ai cru que ça marchait comme ça. Oh, mais ça, on peut changer, je savais pas. Donc ça, t'as ça. Oui, mais après ça, je trouve que ça fait un peu trop gros, non? Certes, la Camaro, elle est pimpée, mais... Je sais très clairement pas. Ça, tu m'achètes ça. Ça, de ça. Allez, ça. Je vais vraiment faire une grosse Camaro. Voilà. Une grosse Camaro. Oh! Oh, les phares, trop stylés! Trop stylés. Ouais. Après ça c'est pas hyper important. On va la faire bien agressive. Oh, oh pardon. Oh désolé monsieur. Oh, la Camaro. Et peinture, on va voir les peintures de la communauté. Ouais, il faut que je trouve une peinture genre, qui suive avec le truc de derrière. Ça, c'est la Camaro de papa. Allez. Ah non, ça suit pas hyper bien en fait. Après, genre, trouver un truc. Attends, c'est quoi ça? Mais dis pas que c'est Monster. Allez. Je vois que c'est pas bien Monster, hein, mais.
Au pire, je fais pas chier, je pense à... Non, j'ai envie de prendre... Non, c'est pas ça, ouais, c'est ça. Une Camaro. Allez. On va la sortir du garage. On va la mettre en voiture quand même. Vroom vroom. C'est notre petite... Bah, c'est notre petite chanson de la joie. Vroom vroom. C'est pas même pas une chanson. Qu'est-ce que je raconte? Oh. Oh là là. Oh déjà, et attends. Je crois qu'elle monte pas très haut hein, en termes de puissance. Elle monte à du 300 max. Ouais. Elles m'ont pas très très haut. Mais après. Oh là là, quel plaisir. En tout cas, mais la voiture ne peut pas tuner. Hein. Je m'en fous, je n'arrêterai pas d'appeler cette voiture la voiture de papa. Ah, le bruit de la bête est incroyable. Mais. Ok. Attends, on va voir s'il n'y a pas un radar vite fait, non? Pas de radar, t'es sûr? Sniff. Peut-être, allez, on se tente celui-là. Il est à combien de max? Ok, ok. Bon. Déjà, il faut faire 226. Oh, le bruit du moteur est très bien. Ça pète. Mais après, dites-vous que genre c'est pas des trucs élites, hein, c'est des trucs super plus. Ah bah déjà, il y a une épreuve de drift, mais bon, on va pas la faire. Même si ça drift très bien. On avait peut-être même plus la faire, tu vois. Et bon, après, je préfère me concentrer au radar qui est juste devant. Pas savoir, j'ai les. C'est ça, moi. Non! Ah, c'est bon. Ah, oh, j'allais être déçu. Oh, 210. Ça se sent, hein. Est-ce qu'on se le ferait pas avec celle-là? Très bonne question. Bon, après. Allez, c'est une très bonne voiture, hein, mais... Oula. La Camaro. Après, je crois que c'est plus une voiture que je vais utiliser en exposition comme la Lamborghini qu'une voiture que je vais utiliser. Alors, on va farm. Enfin, moi, je vais farm de mon côté et... je vais voir les voitures qu'on pourrait acheter. Bah déjà, là, on a commencé quand même avec une Camaro. Après, on va faire les coccinelles et tout. On va faire les trucs dans l'ordre. Mais je sais pas, j'ai envie de, là, full tryhard les gold pour avoir déjà un véhicule full tuné tout terrain et drift. Mais après, ça, c'est pas trop un problème parce que quand j'utiliserai la voiture tout terrain, je pourrais, je pense...
interchanger les trucs, tu vois. Genre, hop, une fois les voitures de course, une fois les voitures drift, ouais, les voitures tout-terrain. Ouais, je pense que je vais faire ça avec les pièces de moteur. Bon, après, là, c'est juste parce qu'en fait, j'ai envie de d'acheter une voiture qui me tient à cœur. Mais après, est-ce qu'elle est puissante? C'est le problème. Mais après, je pense que oui, hein. Bon, je vais peut-être acheter la F40. Allez, tout pile, 1 heure de live quasi. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé le live. Je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Peut-être pas au volant de la. Peut-être au volant de la Camaro. mais peut-être pas au volant de la F40. Je vais voir, je vais essayer de traire. Je vous tiens au courant. Salut, merci d'avoir regardé.